Bonsoir Christian, bonsoir. Nous sommes la bienvenue. Message que j'ai pour toi aujourd'hui. Est le suivant. Ne te laisse pas influencer, décourager par les personnes qui ne connaissent pas où tu vas. Tu es en pleine métamorphose. Les choses que tu tolérais avant, tu ne voudras plus les tolérer. Les choses que tu laissais passer avant, tu ne vas plus laisser passer. Les choses qu'avant tu te disais, ah, laissons, non. Tu as remarqué que tu es devenu plus discipliné, déterminé. Vous voyez que je viens d'arriver au Cameroun, non. Et Néo fait déjà son travail. Vous allez devenir exigeant. Vous êtes en train de devenir exigeant, discipliné. Vous ne laissez rien au hasard. Avant, on pouvait vous tromper. Un joint de mes employés dit à un autre employé que, ah, il faut laisser madame, quand elle parle après, elle oublie. Vous allez remarquer que vous êtes en train de changer. Avant, j'étais très endormie. J'étais une personne très laxiste. Tu viens, tu me manques de respect, je laisse. Tu vois, quand tu arrives dans un restaurant, tu vois le menu, tu commandes quelque chose. Je veux le poulet avec les frites de plantain. On t'apporte un morceau de poulet au lieu de trois. Et on te dit que oh, le poulet était fini au frigo. Votre menu indique que j'ai trois morceaux de poulet. Je veux mes trois morceaux de poulet, même si je vais jeter après. Une fois je suis arrivé, bon mois de mars, ça c'est le foutaise. Je me dis bon mois de mars, ça me donne l'argent. Tous les bonbons là, c'est pour distraire, pour l'anniversaire, bon mois de mars, bon ceci. J'arrive à Yaoundé et la fois là, je n'avais pas commandé la voiture. Je prends un chauffeur à l'aéroport. Normalement, les voitures que tu prends à l'aéroport pour l'hôtel, c'est censé être climatisé. J'étais sur le téléphone, je bossais. Parce que quand je fêtais 1 h sans me connecter, quand j'arrive, j'ai plein de messages. Je suis en train de répondre à mes messages. Je demande, mais pourquoi la clim? Il n'y a pas la clim. Ah oui, il me raconte une histoire. Quand on arrive à destination, il me dit son prix, 10 000. Je n'ai pas discuté ces 10 000. Mais je lui dis, tu penses que c'est normal que tu m'aies conduit sans clim et que je ne t'excuse pas? Il me dit, donne-moi mon argent. Je lui dis, non. Notre contrat stipulait que je dois payer ce montant et tu me conduis dans une clim, dans une voiture climatisée. Ah, tu connais, non? Je suis parti, le réparateur a dit que je ne veux pas savoir. Ce sont les pauvres qui sont humbles. L'humilité, on va voir là où ça va vous amener. Soyez toujours humble, on vous marche dessus. Et je sais que j'énerve beaucoup de personnes, ça me plaît.
Avec moi, soit je vous énerve totalement, soit vous m'aimez totalement. Je ne veux pas vous laisser indifférente. J'en ai rien à faire de votre indifférence. Oh, elle est gentille. Elle. Oh. Non. Soit tu m'aimes, soit tu ne m'aimes pas. Et si tu m'aimes, tu es à fond dans moi. Jusqu'à tu peux tuer quelqu'un pour moi. Et si tu ne m'aimes pas, le Jacques, tu peux me voir en route comme ça. Tu fais la campagne, tu crées la page pour me détester. Oui. J'ai fait 15 minutes, on s'est engueulé avec le monsieur là. Je lui ai dit que je ne paye pas. Il commence à me dire, hein, tu es une petite fille comme toi. Je lui ai dit, non, je ne veux pas savoir mon tissu petit, tu es vieux. Je ne veux pas savoir. Je suis ta cliente. Je suis ta cliente. On a un contrat, je ne suis pas... Tu ne m'as pas ramassé en route, tu n'as pas fait l'autostop. Si je demande quelque chose, j'exige. Si je te paie ton argent sans discuter, rends-moi le service que tu as dit sans discuter. Ça, c'est votre prochaine étape. Il y avait un officier de police qui buvait en face. Il est même venu. L'officier demande que c'est quoi. Il dit que papa, on m'a trop intimidé au Cameroun. Les hommes m'ont trop intimidé. Maintenant que j'ai mon argent pour payer ma chose, imagine quand tu demandes, on t'intimide avant de te donner. Quand tu payes, on t'intimide avant de te donner. Non. Vous devez devenir tellement méticuleux, exigeant. C'est votre laxisme qui fait que l'argent ne vienne pas à vous. C'est votre laxisme qui fait que les gens vous traitent n'importe comment. Et la première exigence commence par toi d'abord. C'est maintenant que je vois les failles de mes employés, car il y a cela un an, moi je trouvais que c'était oh waouh Seigneur, merci pour ces employés. Tu vois comment ils s'asseyent. On fait des formations, ils n'apprennent rien des formations. On fait des formations, ils n'apprennent rien des formations. Rien. Parce que pour eux, non, je sais, ça va déjà, non. J'ai dit, non, je ne fonctionne pas comme ça. Tu ne t'améliores pas, quelqu'un d'autre va venir. Si tu veux amener ta vie, ta vision, ton entreprise, là où Dieu a prévu, tu dois te faire le self-check tous les 3 mois. Est-ce que je me suis améliorée? L'endroit où tu vis, le local où tu coiffes les gens, l'endroit où tu fais les ongles des gens, les plats dans lesquels tu sers dans ton restaurant. Si en 3 mois, ça n'a pas amélioré, tu es en train de rentrer en arrière. Tu crois que tu es parfaite jusqu'à ce que... Écoutez, le manque d'argent que tu as, c'est dû à ton manque de rigueur. Ça t'est déjà arrivé? Je vous ai toujours raconté mes histoires au Cameroun. Je me suis fâchée. Tu vois, quand tu cherches la maison, tu trouves. On te dit que je veux 10 mois. Tu vois déjà le bailleur qui est sur de sa maison, non? Si tu n'as pas 10 mois de loyer, tu laisses. Tu n'as pas 10 mois, tu laisses. Un jour, un bailleur m'a manqué de respect. Mais m'a méprisé parce que j'avais 6 mois de loyer. J'ai pris la décision. À partir d'aujourd'hui, non seulement je vais louer les maisons qui sont plus chères que ta part, et je vais payer tout, c'est la décision. En voyageant, tu peux prendre Air Maroc ou bien tu vois les compagnies qui te tournent avant que tu arrives en Belgique. Tu peux même dans 5 pays avant d'arriver en France. Tu peux te décider, tu prends Air France. Oh, c'est 500 euros de plus. Tout. C'est la décision. Écoute-moi bien. Tout dans ta vie, ça va passer ou ça va casser.
à cause de ta décision. Tu vas commencer à être mal à l'aise à côté de tes gens. Parce que vous n'allez plus vous accorder les choses que tu as acceptées avant. Bon oui, laissons le temps, non. Le temps de Dieu. Le temps. Attendons. Tu arrives, tu dis que si ce n'est pas comme ça, vous laissez. Un client vient. Vous êtes entendu qu'elle va te donner 30 000. Elle vient avec 27 000. Tu dis, madame, si ce n'est pas 30 000, vous laissez. On voit comment tu dis non à 27 000. Alors qu'avant, tu vendais à 20 000. Avant, tu vendais à 20 000. Mais comme tu as décidé que maintenant, c'est 30 000, ils vont venir te tester. C'est le jour où tu vas laisser 27 000 partir, 25 000 partir, 28 000 partir. Après, tu vas dire que, hey. Après, tu vois quelqu'un, c'est là que tu sais que tu as brisé une barrière. Quelqu'un t'appelle et dit, oui, je dépose tes 30 000 euros. Je dépose tes 30 000 euros. Parce que tu as poussé, tu as forcé. Vous êtes dans une saison d'upgrade et votre énergie ne tolère plus la merde. You don't take push it anymore. Vous croyez que je bloque les gens sur mon direct? Je ne me bloquais pas avant. Hein. Je ne me bloquais pas avant. Bonjour la reine Janine. Je ne me bloquais pas avant. Maintenant, tu fais un ping, je fais un pont. Tu fais A, je fais B. 100% des fois où j'ai voulu arrêter de travailler avec quelqu'un, où j'ai voulu renvoyer un employé, où j'ai voulu rembourser un client que pas. Si je n'ai pas suivi mon intuition, j'ai regretté après. Toujours. Tu augmentes le prix de tes plats, on dit que tu prends la grosse tête. Chérie, ne te dérange pas. Le pire, c'est que les personnes qui mangent ton nourriture quand c'est moins cher, ils connaissent que ta nourriture vaut plus que ça. Donc les vrais, quand tu vas dire que tu as augmenté, les vrais vont rester, ils vont payer. Et quelque part, ils seront fiers. Parce qu'ils sauront que, enfin, elle a compris sa valeur. Est-ce que tu sais qu'autour de toi, il y a des gens qui essayent de te faire comprendre ta valeur depuis? Mais toi-même, tu n'avais pas compris. Merci, Christian. Depuis. Ouais, la reine Jocelyne, t'es quitte de 70 000 là. Tout ce que ça fait dans ma vie, pourquoi ne va me passer à 100 000? Le jour dit que les quittes, c'est 100 000 maintenant. Voilà! Voilà! Parce que tu connais la valeur. Tu connais la valeur. Et les gens vont trop vouloir vous chiffonner. Je préfère marcher sous la pluie, à pied, au lieu d'être conduit par un chauffeur qu'à tout bout de champ, il va m'énerver. Non, papa, ne te dérange pas. Je préfère même prendre la moto. Je prends la moto. Vous me voyez sur la moto, ça ne me dérange pas. Soulevez votre point d'exigence. C'est la leçon que j'ai pour vous aujourd'hui. Nadine Makakamba, tu n'as pas besoin des relations. Anne-Héloïse, il faut que ce soit justifié. Tu ne vas jamais acheter mes produits, Anne-Héloïse. Tu me suis. Tu ne vas jamais acheter mes produits de toutes les façons. Donc, je t'ai bloqué. Voilà. Je suis à l'hôtel, il est minuit. Je ne veux pas crier pour que ça dérange les autres. Oui, il y a quelqu'un qui vend aux USA. Mais vous payez au Cameroun et la personne vous poste. Nous qui sommes toujours seuls,
Ton meilleur cadeau, c'est la solitude, Nadine. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, bonsoir. Ton meilleur cadeau, c'est la solitude. Si tu es seul ce soir, dis merci à Dieu. Donne-toi les bisous. La personne qui est à côté de toi, cette personne est confortable avec la femme que tu es maintenant. Si tu décides soudainement demain que j'augmente tout, j'upgrade tout, tout, tout ce que je fais, tout. Si tu m'appelais avant que je demandais 100 000, 200 000. Tu es en train de changer de clientèle. Et le gars qui est à côté de toi ne sera pas. Tu as essayé d'augmenter tes prix et ton gars. Tu as vu le comportement de ton gars, ton copain. Claude Claire, le détachement, c'est 30 000. Je prends le numéro, tu écris. Tu demandes le numéro pour payer. La première personne qui va te résister, ton gars, tes enfants. Ton gars est venu te voir à la douche. C'était témoignage, c'est ça. Claude, le numéro, c'est le 237 693 50 22 66. On jeûne demain encore. On a jeûné aujourd'hui. On jeûne demain. Elle ne répond plus, il est minuit. Si tu écris un arnaqueur, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Je vous ai toujours dit que mes numéros sont sur ma page, ok? Voilà. Maintenant, je passe. Les personnes qui vont le plus résister ton changement, ce seront tes proches. Calme-toi. Calme-toi, non. Si elle veut me fâcher, me fâche. Ce soir, on m'a donné un service qui n'était pas comme je voulais. Quand je voulais me plaindre, j'ai un de mes fils qui me dit que calme-toi. Je dis non. C'est mon argent. Rose, ah merci. C'est mon argent que je paye. Je suis pas allé faire de l'autostop. Je n'ai pas supplié que prenez-moi. J'ai payé. J'ai payé. Il n'y a que au Cameroun que tu payes. En te servant, on t'insulte. Et si tu veux te plaindre, on te dit que tu as même la chance que je te serve. Il y en a parmi vous que vous savez que vous apportez plus à votre entreprise qu'on ne vous donne d'argent. Vous le savez. On a dit que tu brilles. C'est normal, mamie. Le genre de travail spirituel qu'on a fait depuis quelques jours, là, c'est le helélé. C'est le helélé. La chimamelu. Tu es âgé. Calme-toi. Et si tu donnes ta chose, tu donnes tes instructions à quelqu'un, il fait la même erreur. Il fait la même erreur. Il fait la même erreur. Je crois que tu sais avec qui tu ne dois plus travailler. Même si la personne t'apporte beaucoup. Renéricia, bonsoir. Écoutez-moi. Même si la personne t'apporte déjà. Une médiocrité tolérée, ça bloque la perfection qui veut venir vers toi. Une médiocrité tolérée bloque
la perfection qui veut venir vers toi. Vous suivez ça? Même mes clients qui se plaignent trop là. Il y a des personnes que je reste comme ça pour dire que je ne veux plus travailler chez toi. Parce que je sens, je vous le dis. Et mon intuition ne m'a jamais trompé. Souvent, tu vois quelqu'un, tu dis qu'avec tout ce que je donne comme enseignement, tout ce que tu payes comme produit, tout le travail que tu fais, il y avait une comme ça l'année passée. Et viens, viens, moi. Je ne suis plus ami avec quelqu'un. Je ne veux plus les amitiés. Laissez-moi. Non, tu n'es pas seulement ma reine. Tu es aussi mon ami. Oh, oh, oh. Je ne veux pas les amis. Pour ta canne. Tu travailles, tu vois, ça n'avance pas. Tu travailles sur elle, tu vois, ça n'avance pas. Elle avait des multiples partenaires des autres. Elle avait une vie qui n'était pas claire. C'est le jour où j'ai eu à dealer affaire à Jean, avec elle, que j'ai compris que c'était quelqu'un de malhonnête dans son cœur. Ouais, aide-moi, ouais, aide-moi. Prends-moi l'argent, je te remets dans. Je bouffe la réunion en septembre. Septembre, là, n'est jamais arrivé. On a arrêté le temps dans sa dimension. Je dis, mais dans les problèmes. Que j'ai les problèmes, tu ne compatis pas avec moi. Pourquoi? Non, chérie, je veux mon argent. Je veux mon argent. Beaucoup de personnes que leur vie n'avance pas, c'est de leur faute. Tu as découvert que la personne cache des trucs derrière là. Il y a une de mes petites là. Son enfant est toujours malade. Je vois l'enfant, c'est dit que mince. L'enfant est toujours souffrant, bizarre, bizarre. Un jour, je l'ai contre. Et c'est l'affaire d'argent qui vous tue toujours. Hein. Affaire d'argent. Je l'amène un jour quelque part en voyage. Je lui donne l'argent. J'attends qu'elle vienne me rembourser. Je vois comment elle me rembourse. J'ai eu l'impression que les comptes. Fais-moi les comptes. Elle n'avait pas me dit clairement ce qu'elle a acheté. J'ai laissé, j'ai observé. Ça n'a même pas fait un mois. Son gars s'est pointé dans son boulot. Il dit que, elle lui a dit que depuis 4 mois, on n'a pas payé. Alors que là où elle travaille, on la paye tous les jours, tous les mois. Elle manque à son gars. Elle vient, elle manque à son boulot. Elle manque à ses gens. Tu vas même l'aider. Oh, l'enfant n'est pas bien. Écoutez, c'est vous qui ouvrez les portes. Vous ouvrez les portes pour qu'on vous attaque. J'ai mon sujet quand je me pointe ici. Christian, ne viens pas me flatter après tu as des questions. Écrivez là, voilà mon standard. Écrivez. Écrivez, laissez-moi. Tu vois, je me pointe à minuit, c'est là pour répondre à tes envoûtements. Beaucoup d'entre vous, vous tolérez, vous n'êtes. Écoute, si tu dois 500 à quelqu'un, que c'est son reste d'argent, porte ces 500, tu lui donnes. Haka baby. Soyez comme ça. Soyez comme ça. La vérité, c'est une force de caractère. C'est une puissance spirituelle. Vous aimez faire des cachotteries, cacher les choses. Vous aimez cacher les choses. Ouais, mon enfant, mon enfant. Un jour, une femme là est en Suisse. Elle me contacte. Ouais, mon fils a fugué. Oh, mon fils, mon fils. Déjà, c'était difficile pour que l'enfant là vienne pour que je le travaille. Je travaille sur lui. Le jour où on avait rendez-vous, il s'est perdu où là-haut. Finalement, c'est un de mes collaborateurs qui a travaillé sur lui.
Elle me dit que oh, je veux que tu me consultes. Maman, elle m'a cherché même pendant un mois et demi. Finalement, le jour, je commence à parler avec elle. Putain. Elle a les on dit heresy, les doctrines bizarres dans sa tête. Que oh, les ancêtres me foutent souvent la nuit. Pour me libérer, je dois monter sur la table. Je mets un pied comme ça, là, je dis, mais t'as pas de spiritualité là, c'est que comment? Hein? C'est comme ça que parfois vous me contactez. Vos cœurs sont noirs, je ne sais pas pourquoi. Tu veux que je t'aide? Pourtant, toi-même, là, tu n'es pas clair. Ce sont les portes que vous ouvrez. Evra, tu ris quoi? La vérité, c'est une puissance spirituelle. Écoutez-moi bien. La vérité, c'est une puissance spirituelle. C'est une force. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Il y a la vérité sur ça. Quand tu vois quelqu'un qui est vrai, son caractère t'interpelle. Parfois, on trouve qu'ils sont durs, trop stricts, trop carrés. Mais il est comme ça. Avec lui, soit c'est blanc, soit c'est noir. Il n'y a pas le gris sur ça. Il n'y a pas le marron. Rose, tu n'as pas eu le courage de m'écrire. Tu m'écris maintenant pourquoi? N'écris pas, reste dans le noir. N'écris pas, cache-toi, non. Pour moi, quoi? Yekoni, Yekoni, hein? Cachez-vous. Et on ne dit pas tout à n'importe qui. Tu peux être vrai, mais tu peux pas t'exposer à quelqu'un qui veut te tuer et il te tue. Parce que tu as voulu être vrai. Tu as voulu être vrai, pardon, bêtement. Tu es vrai, mais en même temps, tu es cunning. Tu utilises de la sagesse rusée. Voilà. Vrai, ça ne veut pas dire que tu viens ouvrir tout, tu ouvres tout, tu montres aux gens. Que je suis à l'hôtel tel, chambre telle. Oui. Tu montres ton adresse, les gens viennent chez toi. Non. Tu sais que l'homme a deux maîtresses dehors. Tu portes tout ton salaire, tu viens lui donner. Chérie, voilà l'argent. Quand lui porte sa part, tu ne vois pas. Tu es bête. Tu n'es pas vrai, tu es bête. Oui. Tu es bête, chérie. You are silly. Tu es bête. Tu n'es pas vrai, tu es bête. Quelqu'un t'a montré qu'il ne veut pas ton bien. J'ai dit, voilà l'argent. Tu ne vois pas sa part. Je n'ai pas le code de ton téléphone. Tu n'as pas le code de mon téléphone. Tu veux montrer que tu es droite plus que qui, Rose. Tu es droite plus que qui. Mais t'es la vérité. Soyez exigeant. Il y a des gens de personnes qu'avant je trouvais qui sont chiants. Tu coiffes une femme. Une natte ici là n'est pas bien tracée. Elle dit, regarde. Elle fait du détachement 4 traits ici là parce que tu dois refaire sa natte. Je suis devenu comme ça. Je suis devenu le genre de tata là. Une fois à Abidjan, une femme a fait mes ongles. Elle a passé 2h30 sur mes ongles. À la fin, je regarde, ça ne me plaît pas. Je dis, enlève. Je vais payer les ongles, je vais payer l'enlèvement. Enlève. Il ne marche pas, ce qui n'est pas bien fait sur moi. Elle a enlevé, je suis partie. Et je vais rentrer à Libreville. C'est à Libreville qui fait mes ongles comme je veux. Oui. Tu te sens un genre. Je ne suis pas sur ça.
Tu peux pas manger, tu n'es pas bon. Je préfère ne pas manger. Oui. Soyez exigeant. Demandez ce qu'on a dit qu'on devait donner. Et toi-même aussi, quand tu rends ta part, rends ce que tu as dit que tu devais rendre. Tu sens pas le mal de toi. C'est ton argent, non, mamie? Qui là-bas a payé ta coiffure? Qui parmi les personnes qui se plaignent là ont payé ta coiffure? Merci, Rose. Il n'y a pas de problème. Rose, ça ne te dérange pas. Si ça n'allait pas, ça qui était à bloquer, moi. Je ne tarde pas, moi, avec les abonnés. Vous payez ma connexion. Est-ce que vous payez ma connexion? Vous avez fait la collecte de fonds pour payer ma connexion ici, là. Est-ce que c'est vous qui me sponsorisez? Je porte votre habit. C'est vous qui sponsorisez mes directs, non? Voilà. Donc, ça ne va pas, je bloque. Le degré que vous êtes en train de monter, avant vous apportiez le service, mais c'est comme si on ne vous voyait pas. Et le service que vous a... tu, ça t'est arrivé, tu pars dans un restaurant, tu manges. C'est tellement bien fait, c'est tellement beau. On t'apporte la facture, 12 000, alors que tu sais que ça, c'est de 25 000. Tu donnes 1 000 francs de pourboire, mais tu sais que ça, là, ça vaut 25 000. Toi qui as le restaurant, le temps est en train d'arriver où tu vas upgrade. Du jour au lendemain, tes services vont augmenter. Ou bien tu vas avoir un contrat, il y a des ouvertures pour Mars. Mars ici. Soit tu vas commencer à servir les gens qui sont très haut placés. Supposons peut-être le kit fondation que je vous vends. Supposons une femme ministre veut acheter mon kit. Vous croyez que je vais lui donner 170 000? Hein? Vous pensez que je vais donner le kit de 70 000 à la femme là? Non. Tu me donnes même 300 000, mamie. Donc, on va vous positionner les personnes. On va vous positionner les personnes qui vont payer. Bonsoir Vanessa, tu es là depuis. On va vous positionner les personnes qui vont payer comme il se doit. Ne vous dérangez même pas. Pour moi, vous serez choqués. Et tu vas voir que ta façon de travailler, ce sera ce qui leur plaît. En fait, tu n'étais même pas faite pour la petite classe. Parce qu'ils ne reconnaissaient pas ta valeur. Maintenant, dans la saison-ci, tu vas commencer à rencontrer que les grands clients. Déjà, quelqu'un te prend pour une journée. Il te paye ce que tu aurais gagné en une semaine. Et les meilleurs clients qui payent ne te dérangent pas. Hein. C'est bête. Il vient, tu dis que bon, il demande c'est combien. Tu dis, bon, voilà, le total c'est 350 000, monsieur. D'accord. Donnez-moi 3. Bon, venez pour 3 jours. Si c'est 150 000 la journée, je vous prends pour 3 jours, madame. Il ne dérange pas, lui. Il sort ton argent, il te donne. Tu vois, si tu te reposes 3 jours, tu peux pointer 2 jours, tu as l'argent de toute la semaine. Calmement. Maintenant, ton énergie est en train de monter. Tu vas arrêter de te frotter aux petits. Tu vas arrêter de te frotter aux petits qui t'embêtaient. Avant qu'on te donne 5 000. Oh, hein, ça t'énerve. Ça t'énerve. Mais la femme, si elle vient, elle veut que je gratte ses pieds, que comment? Avec ses pieds qui sont cactus. Non, tu prends le couteau en bas, ça ne lave pas bien ses pieds. Tu fais n'importe quoi sur ses pieds, ça ne donne pas. Et c'est elle qui vient te déranger. L'autre va venir avec les pieds des bébés. Il dépose ses pieds dans ton eau comme ça là. Tu verses seulement l'eau sur ça, tu masses un peu comme ça là. Il te sort l'argent de 10 clients, il te donne. Oui.
Les pieds cartes. On les connaît avec les pieds cartes, non? Quand je coiffais. Quand je coiffais. Bonjour, bienvenue. Henriette. Quand je coiffais, tu vois une femme vient. Je ne voulais pas. Elle a les mon vieux d'abord. Tu vois, tout le devant est rasé. Elle te montre les passe-mèches que les cheveux commencent ici. Là, elle dit que c'est ça que je veux. Oh. Tu dis, madame, ça ne peut pas t'aller. Elle ne veut pas comprendre. Vous allez commencer à comprendre que rendre le service est. C'est un truc que toi qui rends le service, tu as du plaisir. La personne qui reçoit le service a du plaisir. Mes numéros sont sur la page. Tu vois, j'ai l'impression que il y a des consultations que je fais. C'est comme si on bavardait seulement. Je dis, mais la personne, s'il m'a payé pour qu'on parle. Ça coule, ça coule. Une autre personne vient. Oui, ça veut dire quoi? Je ne comprends pas. Tu te laves au sel? Non. Je suis lavé au sel en septembre de l'année passée. Et vous êtes en février. Vous n'allez plus tolérer n'importe quoi. Hein. Oh, Hakebem, tu me donnes quoi? Quelqu'un fait, tu dis, tu me donnes même quoi? Même ceux qui vous donnent quelque chose, vous n'allez plus rester avec eux. Voilà, elle te montre la photo qu'elle a prise sur Facebook. Les consultations, là, l'autre jour, hier, quand je faisais ce que je faisais hier, une ici a dit que j'ai 7 000. J'ai dit que, oh, je ne prends pas souvent 7 000. J'ai dit que, envoie tes 7 000. Elle envoie. Je la lis. Après, me fait le voice, le truc en ligne. Je ne comprends pas. Vraiment, ce n'est pas moi, je ne me reconnais pas. Je l'ai bloqué. Je lui ai remboursé son argent. Pour so, so, so. Il te suit depuis. Moi, vous connaissez déjà. On espère les choses, on le dirait, vous n'écoutez pas. Elle a les chutes avec le tapis. Que madame, si on t'a envoyé, tu vas chercher quelqu'un qui met dans ton filet, ce n'est pas moi. Je veux que mon service soit bien donné. Ce n'est pas trop demandé, non. Et je disais à quelqu'un ce soir, c'est quand tu as connu le meilleur que tu te rends compte que tu étais dans le riz. Oui. Supposons peut-être, tu dépenses généralement 5 000, tu prends le taxi. J'ai pris un gozem aujourd'hui. C'est une sorte de Yango au Gabon. J'ai pris un gozem pour aller à l'aéroport. Généralement, je donne les pourboires aux cousins. 500, 1000 francs. Maximum 1000 francs. Et moi, il ne dépasse pas 1000 francs. Dès qu'il arrive, il garde devant chez moi d'abord. Aurélie, pour que je te fasse le bain physique, il faut que tu utilises déjà mes produits. Tu prends au moins un kit, tu fais d'abord, avant de chercher à ce que je te touche. Tu comprends? Comme ça, les kits vont commencer le travail. Parce que quand moi, je travaille sur vous physiquement, c'est du bagarre avec les esprits qui vous bloquent. Et parfois, l'argent que vous me donnez ne vaut pas la peine. Je travaille sur une personne, ça, tu me fatigues pour toute la nuit, je ne veux pas. Tu comprends? Donc, prends d'abord le kit. Le kit, c'est 100 000 francs en montant. Iga. Il arrive. Il m'appelle. Oui, madame, descendez. Quand l'application a prévu que quand tu te gares, tu as 5 minutes. Si je ne descends pas, ça commence à prendre mon argent. Oui, madame, descendez vite. Parce que vraiment, c'est même pas comme si les gens, ils nous payent trop.
Il dit que hop, Gozin m'appelle. Oui, madame. Je dis que c'est par rapport au chauffeur qui est dehors. J'ai dit qu'il descend. Lui-même, il m'appelle encore une deuxième fois. En l'espace de 3 minutes. Il dit que c'est parce que je suis en retard. C'est que j'annulais ta course, tu partais. Comme ça, ton carburant que tu as dépensé là, tu pleures un peu ça. Tu en as sa voiture. Non, c'est parce que j'étais presque en retard. Il se fâche. Heureusement que je suis descendue, c'est la ménagère qui a mis la voiture le sac dans la voiture. Dès que je le salue, il répond à peine. Oui, madame, vous savez, les gens, ça ne nous paye pas. Tu travailles pour eux, pourquoi? Comme tu es énervé avec Gozem, tu restes là-bas, pourquoi? Pour venir me donner ta mauvaise humeur. On arrive à destination, je lui donne 1000 francs en plus. Comme j'ai donné 5 000 pour qu'il me rembourse 1000 francs. Hey! Il a fait genre, tu aurais dû me donner même 10 000. Ce sont les gens qui vont souvent vous décider que tu as raison, ça, tu vas dire que j'achète ma voiture. Bah, tu ne veux plus entrer dans les. Oh. Jesus. Et il y a des personnes qui, quand tu vas vouloir exiger, ils vont faire comme si ce sont eux qui t'ont donné l'argent là pour que tu payes. C'est mon argent que je paye, papa. Ah, papa. Répétez-vous vous-même que c'est mon argent. La prochaine fois que tu vas arriver dans un restaurant, on va vouloir te faire chier. Dorcas, tu as demandé la lecture. Je n'aime pas le mot aidez-moi, Dorcas. Tu as compris? Aidez-moi, c'est pas un mot que j'aime. Depuis, les gens qui ont payé les lectures depuis au moins 4-5 jours, je n'ai pas fait de lecture. Donc, il faut écrire le matin. Tu leur dis que tu leur rappelles la lecture. Tu as compris? Tu arrives au restaurant, la serveuse vient. Elle lance le menu sur toi. Tu commandes. Elle vient, elle sait. Tu demandes le mouchoir, elle ne donne pas. Non, je te laisse avec. Je paye. Je te laisse avec, je pars. C'est mon argent. Je ne vous donne pas une excuse pour me faire des problèmes. Les gens, oh, on voulait. Non, non, non. Je vous laisse avec, je pars. Il y a des nuits où j'ai dormi affamé. Parce qu'ils ne voulaient pas les niaiseries. Il y a les nuits, j'ai dormi affamé parce que je ne voulais pas les cachotteries. Tu arrives à l'hôtel, peut-être les minuit. Tu vois l'étage, tu dis que bon, c'est encore descendre. Tu commandes un rientosaure vient, il commence à faire un jinja. Tu te laisses. Écoutez, hein, soulevez votre niveau d'exigence. Il finit ton travail, il travaille pour toi, il fait son devis. À la fin, il dit sans gêne, ton travail la mérite mieux. Dans les raisons, j'étais à bas. Et je me dis toujours que toute situation dont je suis fâché ou énervé, Dieu est en train de m'appeler à quelque chose de meilleur qui est là-dehors. Supposons que tu appelles un plombier. Chaque fois que le plombier là vient, il t'énerve. Mais tu chopes. Parce que tu te dis que bon, c'est quand même. S'il ne fait pas comme ça, il fait comment? Mamie, il y a un plombier là-dehors qui travaille bien. Il t'attend. Et au piapo. Mais tant que le plombier ne part pas, tu ne peux pas tomber sur le plombier là qui est bien. Oui. Parfois, tu fais les meublés. Tu te dis que, ah, au lieu de laisser la maison comme ça, là, putain, je loue quand même moins cher. Erreur, faut beaucoup. Ou, oui, il y avait une toile d'araignée derrière la télé. Oui, il y avait une trace de crayon dans l'armoire.
Parce que tu loues à 80 000, la personne est venue te supplier que j'ai 50 000. Tu as laissé. Mamie, les engueulades que tu vas faire avec la personne, ou bien la fâcherie qu'il va mettre dans ton cœur, parce que tu voulais prendre ces 50 000, ça n'en vaut pas la peine. Vous travaillez avec l'énergie. Je suis Jacques. Je vends ma nourriture, vous n'achetez pas. Je mange. Je prends le reste des pas au quartier, je partage, je fais le salaka. On mange, on est content. Le lendemain, je ne peux pas encore. Vous n'achetez pas. Je mange. Je pars, je partage aux gens. On mange. Je fais mon meublé, tu ne veux pas dormir. Je ferme la porte. Après, pas un jour, je me couche sur ça, je dors. Je dors sur les deux lits en une nuit. Ça me plaît. Au point, ça me plaît. Le taximan qui m'avait porté à l'aéroport, quand c'était je ne voulais pas le payer tant qu'il ne s'excuse pas là. Il me dit que tu ne me payes pas mon argent. Il me menace, il fait comme s'il veut me taper. Après ça, je dis qu'il ne me paye pas. Il dit, ok, je vais partir. Je dis pas. Il se tourne, il voit comment je le regarde. Ça. Après, il revient. Tu ne me payes pas. Tu ne me payes pas. Il fallait partir, non. Comme tu me montais que tu es à 10 000 près, monsieur. Si tu n'étais pas à 10 000 près, c'est que tu es parti. Tu ne me donnes pas. Tu ne me donnes pas. Tu as fait les réductions de l'ordre d'un traiteur. Jamais. Ne jamais. Réduction. Ne me raconte pas ton songe, pardon. Tu as bien parlé, René. Tu portes ton sac, tu tombes ça sur toi comme ça. Moi, c'est là. Après, il dit que les 5 000 dollars que j'ai mis sur ça, c'est même quoi? 5 000 dollars, je suis pas 5 000 dollars près. Hein? Je mets dans mon panneau à panderie, ça me plaît. Je touche comme ça me plaît jusqu'à... Je mets sur le lit, je regarde, je me couche sur ça. Moi, c'est... J'ai un manque de respect dans ma tête. Oui. Aïe. Voilà. Tu achètes les cils, on n'achète pas au prix que tu veux. Toi, tu colles sur toi. Seigneur, si tu ne vas pas me donner l'argent par les cils ou les sacs à bonnet, même si c'est un passant qui va me donner, l'argent va entrer dans ma poche. C'était de vos activités, c'est seulement pour le plaisir. C'est seulement pour que tu mettes le titre, que j'ai le titre de... Oui, je suis... On dit, tu fais quoi dans la vie? Si tu leur dis que ah, je reste seulement comme ça, on me donne l'argent, ça va les énerver. Oui. On peut. Tu dois... Moi, je suis arrivé à un niveau où tous mes services, ce sont les choses que moi-même, si personne n'achète, je vais utiliser. J'utilise moi-même. Je ne me mets pas la pression de quelque chose. Oui. Ça me plaît. Ça a le goût. Oui. Quand il vendait la nourriture ou les croquettes, souvent il m'assoit comme ça, j'ouvre mes croquettes, je mange. Je mange. Je bois l'eau. Je rôte, je mange. Ah, Seigneur. Quand tu portes tes joies, que tu te crois. Non, je ne me crois pas. Je ne veux pas votre merde. Parce que parfois, certaines personnes viennent dénigrer ta chose. Pourquoi tu te sentes mal, tu le vends. Non. N'achetez pas mes kits. N'achetez pas. Mes kits ne souffrent de rien. Mais qui ne souffre de rien, n'achetez pas. Hop. Vous croyez que quoi? Tu souffres de rien. Souvent, quand un client fait ces choses, ces bêtises-là, on se sépare. Même si tu reviens me voir dans un an, regarde, mes boutons auront disparu encore plus. Mon visage sera encore plus clair. Parce que je vais toujours avancer. Oui. C'est obligé. Ça fait 5 ans que je suis dans le ministère. J'ai des personnes souvent qui elles sont quittées de mon ministère, croyaient que non. Non, il n'y a pas de problème. Santadim, mon ministère ne souffre de rien.
Bah, c'est même pas d'abord moi. Je ne me suis pas appelé, tu ne m'as pas appelé. Si nous deux, on n'est pas dans l'affaire, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va continuer, non? Ça ne demande pas la nourriture, mamie. Parfois, tu regardes même tes sacs, ça te plaît. C'est comme les objets d'art. Tu regardes, ça te plaît jusqu'à. Tu penses à ça, tu dis que, hey, regarde-moi, c'est beau. Sérieux. Je ne suis pas seule dans ma tête. Mais c'est les faux trucs comme ça que moi j'aime. Oui. Attendez, je vais manger les arachides. Je vais demander à ma fille de me donner les arachides. Voilà ça qu'elle a apporté. Si elle mange pas les arachides, c'est ça qu'elle ne veut pas bien dormir. Maman, elle a acheté que le kombu. Mamie, oh. Aïe, mon gars. Et tu as acheté 5 kilos d'arachides pour me donner. Voilà, attendez, j'ouvre. On mange ensemble. Elle dit qu'à minuit. Eh, pardon. C'est mon ventre, non? Ne mangez pas. Fais de la taille. Non, feu bien. Au takana. Voilà. Il n'y a même pas d'infox sur ça. Ne vivez pas vos vies. Moi, je vis mon rôle. Je vis. Aujourd'hui, elle me disait que si un jour je meurs, ne me pleurez pas. Moi, j'ai vécu. Peut-être que les choses que j'ai enjoy, vous allez vivre toute votre vie, vous n'avez pas connu le genre. Non, pardon, j'ai vécu. Je vis moi bien. Christian, il n'était pas répondu. Et je t'ai même menacé que si tu continues, il va te bloquer. Non, compris, non. Je suis né pour souffrir. C'est dans l'enfance qu'il pensait les bêtises. Je dois enjoy la vie. Regarde Foster, tu me mets le temps pourquoi? Tu me mets le temps pourquoi? Ouais. Tu dois vivre de telle façon que quand tu regardes autour de toi, rien ne te met mal à l'aise. Tu me suis. Rien ne te met mal à l'aise. Je paye un loyer, mais. Salut. Arrête aimer. Merci. Merci beaucoup. Mettez-vous à l'aise. Son savant te coucher la nuit, tu dis que est-ce que j'ai fait tout ce qui me plaisait aujourd'hui? Oui. Oui, Dancy, je suis censée venir à Cotonou la semaine sur prochaine. Fin de semaine prochaine ou bien semaine sur prochaine. Merci Philippe. Bonjour Nathalie.
Tout est spirituel. Je viens visiter seulement. Je ne viens pas pour un événement. Les événements, je n'en fais pas encore, pas pour l'instant. Que le mélange de deux villages. C'est normal. Badjoun Batoufam, c'est un mélange. C'est Faya. Les arachides, ce sont bons. Vraiment, ça rééquilibre mon corps. Bonsoir, Alizé. Reine Foster, regarde les archers comment à côté. Regarde. Regarde. Comment c'est beaucoup. Tout ça là. J'ai acheté 5 kilos d'arachide. Les hommes qui ont vu mon soutien, la fermez vos yeux. J'ai lu à propos de la jumelle, je ne sais pas quoi te dire pour ta jumelle, ma chérie. Ma tête que sur mes arachides maintenant, c'est trop bon. Ah, Ponga. C'est maintenant que le goût de ça vient. Ça fait 5 minutes qu'elle commence à manger. C'est maintenant que le goût, ça tape, ça c'est si déjà comme ça qu'elle sent ça. Bien là, John. Hey. On peut pas comprendre. On peut pas comprendre. C'est comme la thérapie. Vanessa, regarde, tu veux me faire le doc? René fait mal, c'est même moi qui fais. J'exprime juste mes sensations. Apprenez à faire ce que vous aimez faire. Ne tolérez plus trop le être mal à l'aise. Je ne sais pas à qui je parlais aujourd'hui. Hier, je parlais avec une de mes soeurs hier, spirituelles. Parce que les soeurs biologiques, je n'en ai plus. Donc, et là, je lui disais, quand je regarde ma vie, il y a très peu de choses que je fais sous la contrainte. Quand je ne sens pas quelque chose, je ne fais pas. Ouais, Brenda, c'est ma petite soeur. Elle était médicale, elle lui ressemble. C'est elle qui me ressemble. Moi, elle me ressemble. Notre père, c'est pas Paul. Bon, on l'appelle papa. Hein. C'est vous qui l'appelez Paul. Nous, on l'appelle papa. Prenez l'habitude de ne pas faire ce que vous n'aimez pas faire. L'avez suivi. Et quand tu trouves quelque chose que tu aimes faire,
multiplie, fais-en plus. Moi, j'aime faire les vidéos. Et j'aime manger les arachides. Bon, je vais vous faire une lecture. Je vais vous faire une lecture de carte générale. Ok? C'est ce qu'on me demande de faire pour vous maintenant. Avant qu'on aille dormir. Ok. Allons-y. Me suivez bien, non? Me suivez. Lecture pour mars. Non, je ne fais pas la lecture personnalisée ce soir. Bonsoir Lydie. Oh, Phobia. Hein, Lydie. Oh, Phobia. Que? Lydie, j'espère que tu as compris ce qui était dit. Noël, là, au gris, quoi. Et au gris. Toi, tu risques avant. Oh, ton. Merci, Lydie. À tes choix. Bon. On va voir ce qu'ils ont à vous dire. Mais je suis devenue encore belle. Vous m'avez pas dit. Pourquoi? Donc, il y a quelqu'un ici, on t'avait volé tes idées. Tu étais avec un homme. Tu as l'impression qu'il t'a volé tes idées. Ou bien il a eu de la prospérité pendant qu'il sortait avec toi. Et après ça, tu t'es senti abandonné. Donc, il y a une sorte de payback time. Il y a une restauration. Et tu avais toujours l'habitude de vouloir sortir les gens de leur pétrin. Là, tu vas arrêter. Il y aura quelque chose en toi comme un frein. Et tu vas arrêter de toujours croire que tu es le dieu des gens ou bien d'être un peu comme Robin des Bois. Tu vas toujours courir à leur rescousse. Donc ça va s'arrêter aussi. Maintenant, il y a une rebelle en toi qui va se réveiller. Avant, tu tolérais certaines choses. Mais là, tu commences à la,
That's it for me. Tu vas sortir, you're going to walk out of some situations. Tu vas sortir de certaines situations qui te bloquaient. Tu vas dire finalement non, tu vas claquer la porte, tu vas partir. Tu vas dire, like, you know, don't mess with me anymore. Ne vous amusez plus avec moi. Et tu étais épuisé même d'une situation, tu ne savais même pas que c'est ça qui t'épuisait. Tu étais fatigué. Mais je te dis qu'ils ont vu cette fatigue depuis. Ils attendaient que tu les laisses agir. Donc là, tu vas voir que tu seras soulagé d'un fardeau, d'une situation qui t'embêtait. Et tu vas commencer à attirer tes personnes. Les personnes qui vont correspondre à ton état d'esprit, les personnes qui vont t'encourager. Ou les personnes qui vont venir, qui vont parler comme toi, qui vont... Waouh, depuis que le premier jour que je t'ai vu, je me suis demandé, mais pourquoi tu ne fais pas dans ça? Donc, des personnes qui vont être comme des prophètes sur ce que tu es censé devenir. Et tu vas faire ton commerce. Tu vas te lancer à ton compte, finalement. Et ce commerce ne sera pas seulement pour ton pays ou ta ville. Tu vas adapter cela et tu pourras faire des services à l'international. Donc, ne t'inquiète pas pour te dire, ah, c'est même quoi que je peux vendre. Et parle même de quoi. Ça va venir seul. Voilà. Ton argent va venir par beaucoup de devises. Et avant aussi, tu n'étais pas très concentré dans ton travail spirituel. Tu n'étais pas discipliné. Parfois, tu rentres, tu es fatigué, tu laisses. Parfois, donc, on montre que tu vas maintenant commencer à être méticuleuse, droite, disciplinée, concentrée, persistante. Tu avais pris du retard. Dans ce retard, tu vas le rattraper. Tu vas te retrouver dans une période d'accélération. Attends un peu. Avant, on faisait ça en 2 mois, non? Voilà, ça, 4 jours, vous avez déjà fait. Le client a pris, il a acheté, il a payé. Tu vas rentrer dans une période d'accélération. Il y en a parmi vous ici. Le business que tu as commencé avant et que tu as abandonné, ou ton business avait été attaqué parce qu'ils ont vu la lumière qui est en toi. Et c'est quelque chose qui est parti d'un coin de la terre à l'autre. Donc, tu es connecté avec les astres. Et il faut chercher ton signe astrologique. Cherche la maison dans laquelle tu es, dans le signe astrologique. Mais je vois quelqu'un ici là que tu fonctionnes avec les 4 points cardinaux. Ne prends pas les pleines lunes à la légère. Certains ici là, vous allez voir que vous allez comprendre pourquoi on vous avait fait rester dans une solitude. Vous allez comprendre. C'était pour vous forger. Et là, vous allez sortir du noir, vous allez vous mettre sur les réseaux sociaux. Tu vas enfin ouvrir ta bouche pour partager ce qu'on t'a donné. Tu n'auras plus peur. Tu vas commencer à planifier. Non seulement tu vas planifier, mais dans le rêve, on va te parler beaucoup plus de ton futur et de ce que tu es censé faire. Ingrid, on a enregistré ton détachement. Voilà, ça vient de voir. Ils ont reçu ton paiement. Donc, c'est un peu genre, tu dors. Dans la nuit, on te montre clairement que tu dois partir dans telle ville. Tu dois travailler avec telle personne. J'ai un employé que je l'ai embauché, ça fait une semaine. 2 ou 3 jours avant que je l'embauche, je me dis, j'ai rêvé qu'on travaille ensemble. Et il est net, net, comme moi. Ce que je veux là, donc net, net. Vous allez commencer à recevoir les instructions pour votre journée dans le rêve. Et vous allez comprendre, on va vous donner des révélations sur les événements imprévus que vous avez eus. Ces événements étaient là pour arranger le cours des choses, pour rectifier la trajectoire. Vous allez voyager.
beaucoup vont changer de voie. Vous allez ouvertement déclarer que je veux faire ça. Je n'aurai plus honte de dire, je n'aurai plus peur de quelqu'un. Tu vas parler. J'ai parlé de ça. Il dit, tu vas ouvertement dire non. Voilà la carte qui sort. Ta bouche va s'ouvrir. Tu vas communiquer mieux. Tu n'auras plus peur de quelqu'un. Vous allez sortir des prisons dans lesquelles on vous a mis. Et c'est les gens, ça va tomber seul en fait. Tu ne savais même pas que tu étais dans une prison. Il y a des gens qui t'ont accueilli, ils t'ont mis dans une prison. Par jalousie. Et ça empêchait que tu fasses ton travail spirituel. Tu étais très légère. Tu étais comme attachée. On t'a attachée. La vente en ligne. Tu vas oser vendre tes produits sur tes statuts, sur tes pages. La jalousie. On va te montrer les personnes qui t'ont voulu du mal. Et ces personnes-là, quand tu vas les découvrir, ils vont te dire, tu l'avais toujours su, mais tu ne peux pas imaginer l'atrocité de ce qu'ils ont voulu te faire. Bonsoir, Bertha. Beaucoup ici, là, vous êtes des anges. Vous êtes censés aider beaucoup les gens. Vous avez les dons de chaman. J'appelle les personnes appropriées qui sont censées écouter cette vidéo. Que ça touche les bonnes personnes. Les femmes de l'eau. Votre pouvoir est dans ma main. Les pommes de main qui chauffent là. Ça va beaucoup s'activer. Et toutes les attaques mentales que vous aviez, vos attaques sont là en fait. Certaines de vos attaques ont chassé, repoussé les gens. Ton changement d'humeur, ça a découragé certaines personnes, ils sont partis. Parce que tu es censé être à la disposition de Dieu. Tu es censé travailler pour Dieu. Et non travailler pour la personne là qui veut t'utiliser. Il y aura beaucoup de vengeance sur tes ennemis. On te permettre de voir quelqu'un qui t'a fait du mal. Que ces choses n'avancent plus. Et on me dit que quand on va te montrer ça, c'est pour que tu comprennes en fait qu'on ne s'amuse pas avec toi. Écrivez ça, on ne s'amuse pas avec moi. Et vous êtes très protégé. Et vous allez beaucoup attirer les clients, les collaborations, les gens qui vont venir sans discuter. Justine, tu as demandé à participer. Tu es sûr. Hein, Justine? Des mauvaises humeurs. Comme femme enceinte. Non, les arachides, c'est ça le goût. Ça t'intrigue, pourquoi? Quelqu'un a pris ma photo. Il est parti sur un groupe de born again. Il a fait tout un article sur moi, sur les femmes de l'eau, en fait.
jusqu'à mettre que je suis leur reine. Que je suis... Il a mis ma photo comme la référence. Quelqu'un m'a envoyé ça tout à l'heure, j'ai ri jusqu'à... On va utiliser maintenant mon nom pour prêcher dans les églises. Donc, Jezebel Spirit. Marine Spirit. On va avancer, oui. Bon sort. Et qui met dans son article que elles sont maintenant exposées. Attendez, je vais un peu vous lire ça. Écoutez. On va voir l'article là. Écoutez, comment reconnaître une sirène des eaux en chair? Le mystère du triomphe de Jésus. C'est le nom de la page. Certaines femmes sont conscientes qu'elles sont sirènes en chair, en mission dans le monde. Certains aussi n'en sont pas conscientes. Je vais vous donner quelques caractéristiques physiques qui vont vous permettre de les reconnaître. Il a mis ma photo en bas de son article. Elles sont attirantes. Elles ont les yeux tirés, les yeux revolvers, de gros yeux qui brillent. Pardon, disons. Vous ne vous reconnaissez pas. Elles ont toujours une partie de leur corps qui est plus développée que les autres. Ça peut être les seins, le bassin, les fesses. Et cette partie développée, c'est cette partie développée qui suscite la convoitise. Allez, reconnaissez-vous. Moi, ma part, c'est le derrière. Continuons. Elles ont une voix très piquante. Non, ça, c'est un bon journaliste. Elles ont une voix très, très piquante. Leurs voix ne sont pas souvent proportionnelles à leur poids ou à leur âge. Elles aiment trop les couleurs vives, brillantes et écarlates comme le rouge vif, le blanc vif. Elles aiment beaucoup les parfums cosmétiques. Elle n'a pas tout fumé, elle a raté une page. Quand elle s'approche de l'eau, l'eau s'agite. Il a pris sur ma vidéo, il m'a filmé, il a mis en bas de son article. Il a fait l'article, il m'a pris, il m'a filmé, il m'a mis en bas. Mais quand il fait l'article comme ça, là, c'est quoi? C'est pourquoi il me combatte. C'est le nom de leur page, c'est les croix de Jésus. Écoutez, quand elles s'approchent de l'eau, l'eau s'agite. Elles aiment être en contact avec l'eau. Elles sont chaque fois dans la douche ou en train de se doucher. Il a oublié de dire qu'elles mettent souvent l'eau sur leur visage. Il a oublié l'autre là. Aradoum, merci. Achadoum. Elles peuvent aimer l'activité. Elles peuvent beaucoup aimer l'activité sexuelle. Comme elles peuvent ne pas l'aimer du tout. Elles peuvent priver leur homme de l'acte sexuel sur une longue période pour le pousser dans le péché et le détruire. Elles ont des pouvoirs sataniques. Elles ont des pouvoirs sataniques
Pour certains sont des activités, pour d'autres le seront avec le temps. Notez bien, bien aimé, quand tu rêves beaucoup à l'eau, c'est que tu es un enfant de l'eau, que Dieu nous aide. Vous avez suivi, non? On verra les articles sur nous. Bon, j'ai retrouvé l'article. Je vais lire les autres points que je n'ai pas eu là-bas. Elle domine. Elles aiment beaucoup les parfums cosmétiques. Elles dominent les hommes. Elles sont très autoritaires dans le foyer et elles ont un contrôle total sur leur homme. Avec ça, laissez ça. Gwen. Elles ont des humeurs changeantes. Elles peuvent manifester la joie, puis être en colère quelques minutes après, où on s'attend le moins. Numéro 9. Elles aiment beaucoup les bijoux, les courries, les coquillages, tout ce qui a trait à l'eau, les attire. Numéro 10. En colère, elles ne sont pas maîtrisables. Elles cassent tout. Elles maudissent facilement. Elles sont sans compassion. Où est l'article? Non. Il a écrit son article. C'est une façon subtile et démoniaque. Mais il ne sait pas qu'il va aider les gens de son groupe. Parce que les femmes de l'eau qui sont là-bas vont se reconnaître. Beaucoup de personnes qui ont des pouvoirs sont attachées dans la religion. Si quelqu'un dit ça, va voir que tout ça, c'est ce qu'elle a en elle. Karine, toi, tu as dit non, ça, c'est toi le tout. C'est tout toi là-bas. Écoutez, elles obtiennent toujours ce qu'elles veulent auprès des hommes. On voit ça comme un défaut, elles. Elles ne manquent pas l'argent. Fais-moi l'os. High five. Regarde, je nous connais. Tu nous connais, papa. Tu nous connais. Je vais faire un TikTok avec ces détails-là. Elles aiment beaucoup manger le chocolat et le poisson. J'ai parlé de chocolat dans ma vidéo. Le gars ne me comprenait pas bien. Il est parti écrire chocolat. Je ne vois pas ce qu'il y a de mauvais dans ce qu'il a dit là. Donc pour vous, une femme doit être pauvre. Elle ne manque pas l'argent. Elles sont jalousées par les membres de leur famille. Tout ce qu'il dit là, ça, c'est mauvais en quoi? Maintenant, tout ce qui vient dire à la fin, 17, elles ont les pouvoirs sataniques. Quand il dit pouvoir satanique, il ne dit pas ce que c'est. Il prend ce que j'ai dit, il vient pour faire l'important dans son groupe. Et il fait ça, il prend ma photo. Il met dessus. Ouais, Seigneur. Je dois faire un TikTok avec le gars, si. Mon habit est descendu. Il ne faut pas qu'il vienne provoquer les maris des gens ici la nuit. L'homme s'il boit le jus, il ne boit pas la bière. On m'a dit qu'elles sont séduisantes. Elles font les directs pour séduire les gens. Mm-hmm.
Je dois faire un TikTok avec le poste de ce monsieur. Vraiment. Je trouve que beaucoup de femmes de l'eau sont en train de se... Elles sont en train de comprendre ce qui leur arrive. On a toujours vilipendé la chose aussi. Oh, c'est mauvais. Être une femme de l'eau, c'est mauvais. Attendez, je vais faire une petite vidéo avec ce que le père s'est dit. Le père nous a aidés. Il va déjeuner, il va nous son église. Donc, j'ai vu un post sur Facebook. Il y a un monsieur qui a écrit un article, il a pris ma photo pour mettre comme la reine des sirènes. Donc, je vais donc partager avec vous quelques caractéristiques. Comment reconnaître une sirène des eaux en chair? Numéro 1, elles sont attirantes. Numéro 2, elles ont les yeux tirés, les yeux revolvers, de gros yeux qui brillent. Numéro 3, elles ont toujours une partie de leur corps qui est plus développée que les autres. Ça peut être le devant, comme le bassin, ou le derrière. Et c'est cette partie qui est développée qui suscite la convoitise. Numéro 4, elles ont une voix très piquante. Leurs voix ne sont pas souvent proportionnelles à leur poids et à leur âge. Numéro 5, l'homme s'est écrit l'article si, parce qu'il voulait prévenir les gens de son église contre les femmes sirènes. Et il a mis ma photo en bas. Donc, merci monsieur pour avoir récapitulé qui nous sommes. Donc, numéro 5. Elles aiment beaucoup les couleurs vives, brillantes et écarlates, comme le rouge vif ou le blanc vif. Numéro 6. Elles aiment beaucoup les parfums et le cosmétique. Numéro 7. Elles dominent les hommes. Ils sont très très autorités dans le foyer. Elles ont un contrôle total sur leur homme. Numéro 8. Elles ont des humeurs changeantes et peuvent manifester la joie qui peut être puis être en colère quelques minutes après. Et c'est au moment où on s'attend le moins. Numéro 9. Elles aiment beaucoup les bijoux, les coris, les coquillages. Bref, tout ce qui a trait à l'eau. Numéro 10, en colère, elles ne sont pas maîtrisables. Elles cassent tout. Non, au moins pour l'autre, là, tu as menti, monsieur. Elles maudissent facilement. Elles sont sans compassion. Je peux ajouter à ça, monsieur, que elles maudissent quand on leur a fait mal. Et elles ne maudissent même pas parce qu'elles n'ont pas besoin de maudire. Ce sont leurs guides. Ce sont des femmes très puissantes. Et il suffit que tu leur fasses du mal. Quand elle ressent la douleur là, ces gens prennent ça, on va te fouetter avec. Tu as suivi, monsieur. Donc, je viens corriger ton travail. Le devoir que tu as fait n'est pas bien fait. Il faut que je corrige un peu. Numéro 11, elles obtiennent toujours ce qu'elles veulent auprès des hommes. Numéro 12, elles ne manquent pas d'argent. Si c'est un problème de ne pas manquer d'argent, c'est votre problème. Numéro 13, elles aiment beaucoup manger le chocolat et le poisson. Même comme j'avais dit que manger le chocolat, ça avait trait avec le chocolat du Digi Digi là. Numéro 14. Elles sont jalousées par les membres de leur famille, évidemment. Numéro 15. Quand elles s'approchent de l'eau, l'eau s'agite. Elles aiment être en contact avec l'eau. Et elles sont à chaque fois dans la douche ou en train de se doucher. Ou bien elles aiment mettre l'eau sur leur visage tout le temps. Oui, mais ce qu'on sort de l'eau, on a besoin de s'hydrater constamment. Continuons. Elles peuvent beaucoup aimer l'activité sexuelle comme elles peuvent ne pas l'aimer du tout. Et elles peuvent priver leur homme de l'acte sexuel sur une longue période pour le pousser dans le péché et le détruire. Pourquoi tu voudrais détruire ton partenaire? Numéro 17. Elles ont des pouvoirs sataniques pour certains. Certaines sirènes sont en activité, d'autres le seront avec le temps. Quand il dit pouvoir satanique, monsieur, si ce que tu dis est vrai,
prouve-le. Pouvoir satanique qui veut dire quoi? Les autres points étaient tellement clairs. Mais la partie du pouvoir satanique. En fait, tu viens me parler de nous, après tu viens seulement mettre à la fin le pouvoir satanique. Décris, parle. On a fait quoi de mal? Donc arrêtez de vilipender les sirènes, s'il vous plaît. Et les sirènes, la reconnaissez-vous aussi? On fait des vidéos si vous puissiez vous reconnaître. J'en ai marre qu'on puisse tout le temps te dire que vous êtes mauvaise, mauvaise, mauvaise. C'est quoi? C'est quoi? Maintenant, tu sais qui tu es, non? J'ai vu un post sur Facebook. On a terminé. Je vais poster ça sur TikTok le matin. Bon, j'ai terminé ma lecture avec vous. Il m'a encore un peu d'arachide et pas dormi. On va dormir, non? Il a mis ma photo en bas. Donc, merci, monsieur, pour avoir récapitulé qui nous sommes. Donc, numéro. Figure it out. Life is full of obstacles that if. Ah, on parle au lit. Tes pouvoirs vont se développer, que tu le veux ou pas. T'as compris, chérie? Ça va se développer, que tu le veux ou pas. C'est comme l'enfant, tu dis, oh, il faut que tu grandisses encore. Tu vas grandir. You're gonna grow, whether you like it or not. Degré de force, tu vas grandir. La consultation, c'est 80 000. 125 euros. Tu vas grandir, que tu veux ou je veux pas. Degré de force. By fire, by force. By water, by force. Les arachides, si c'est bon. Hier, il dormait à 1 heure. Me voilà encore à 1 heure. Pourquoi vous faites ça? Oui, reine Foster. Depuis qu'on s'est rencontrés. Et aussi la reine Feldman, là. Oui. Beaucoup d'entre vous étiez incomprises, en fait. Majorité. Incomprises d'abord. Il fait 2 semaines sans mes arachides. Je fais le rappel. Il me rattrape. Bon, allons dormir. On va se retrouver tout à l'heure. Quand vous me voyez dans le téléphone là, hein, on ne garde pas ça. Tu veux garder pourquoi? Quand c'est devant toi, tu veux garder pourquoi? On va se voir tout à l'heure. On se sépare. Comment vous savez que j'existe?
Qu'est-ce qui vous garantit que je suis derrière votre téléphone là? De la même façon que tu me vois dans ton téléphone, il va apparaître chez toi cette nuit. N'est-ce pas? On continue la causerie. Mais sache que si j'entre là-bas, s'il y a n'importe quel démon, il va sortir. Mais il faut les prévenir avant de dormir. Que Reine Lumière dit qu'elle va venir ici cette nuit, donc dégagez. Maman. En achetant ça, elle ne comprenait pas. Ça. Tu vois, dans le film de la petite sirène, quand elle sort de l'eau, après elle manque d'eau, elle commence à mourir là, non. Souvent, vous avez besoin de mouiller votre queue carrément. I'm not joking, je ne blague pas. Souvent, quand je te sens très mal, prends du sel, tu mets dans l'eau, tu trempes les pieds dedans. Tu as besoin de réponse. Généralement, quand il vient, je parle, vous ne comprenez pas. Maintenant, vous devez écouter beaucoup de mes enseignements physiquement avant que ça revienne dans votre esprit. Ne vous dérangez pas. Je viendrai. Votre niveau de beauté va augmenter en passant. Vous allez devenir encore plus belle. Parce que tu es en train de débloquer le niveau de déesse. You're unlocking. Cléopâtre, par exemple, elle avait des bains qu'elle prenait. Et la reine Jeannine, quelqu'un m'a été dragué comme ça là, qui m'a mis les bruits d'abord. Je me rappelle qu'elle a été rencontrée à Abidjan. Elle est grande, elle est belle. Quand j'avais vu ton fils, je pensais qu'il était beau, mais quand j'ai vu sa mère, tu as une présence là. Franchement. Les jaloux vont seulement mourir. Est-ce que vous êtes encore en train de devenir belle? Ta beauté est en train d'augmenter, chérie. Ta beauté est en train d'augmenter. Tu deviens encore plus belle. Tu vas te regarder dans le miroir comme ça, tu vas te dire waouh. Mouillez beaucoup vos pieds, s'il vous plaît. J'insiste dessus. Hydratez-vous. Quand vous finissez le jeûne, hydratez-vous. Buvez beaucoup. Et au moment où tu restes comme ça là, tu sens que ton corps a besoin d'eau. Tu bois, ça ne suffit pas. Mets tes pieds dans l'eau, tu vas voir. Je suis non. Même les mains, souvent ils restent comme ça, je mets mes mains dans l'eau. Depuis les gens te mettent l'eau sur mon visage, ça disparaît, non? Vous n'avez pas remarqué ça. Ça part. Et aussi vos aliments spirituels que vous devez beaucoup manger. Carottes, arachides,
le lait concentré, ou le lait en poudre. Voilà, quand tu donnes ton âge, on refuse, on ne croit pas. Buvez beaucoup, vous êtes en pleine régénération. Il faut savoir écouter votre esprit. Souvent, tu restes comme ça, tu... Il y a quelque chose qui t'embête, tu ne sais pas quoi. Tu t'irrites, tu te fâches. Tu... Demande. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Moi, j'ai carrément acheté la machine qui presse les jus, là. Qui presse les fruits, pardon. Et les jours, quand je reste, si je ne mange pas quelque chose avec les légumes, le basilic, c'est mon préféré. J'aime beaucoup le basilic frais. Parfois, je finis de préparer, je découpe les feuilles vertes, je verse dans la nourriture. J'éteins, je verse les feuilles dans la nourriture. Donc, je dois sentir le frais quand je mange. Donc, manger le plus frais possible. Et puis, vous devez aussi les jus naturels. Vous avez remarqué que votre corps rejette beaucoup les jus artificiels. Même si c'est le jus qui est fait à partir de concentré. Parce qu'il y a des messages dans les aliments que vous mangez. René Feldman, tu parles comme ça. Le basilic, les Italiens aiment beaucoup le basilic. Quand j'ai vu qu'il y avait des Italiens en Angleterre, ils font le basilic avec la tomate, ils font tout avec le basilic. Oh. Basilic, huile d'olive, tomate. Tu mets ça sur des pépins, tu manges. Moi, j'aimais beaucoup. Oh, tu ressens les choses, tu banalises, tu dis que ce sont les mauvais esprits. Eh oui, comment ça, mamie? On ne croit pas que tu as 3 enfants, vraiment. Moi, j'aime beaucoup le poulet. J'aime beaucoup le poisson. L'omelette avec le basilic, en fait, est tout. Moi, le basilic, je le mange cru. J'aime toujours avoir des plantes de fraîches. Je vais dehors, je cueille, je mange. Je finis le problème. Je fais les spaghettis, je les découpe, je mets au-dessus. Parfois, je mets ça entier. J'enlève seulement les branches comme ça, là, je mets. Il fait la sauce d'arachide, je mets dedans. En fait, je mets dans tout. Les gambas. Je viens d'arriver au Cameroun. Je vais me taper les gambas dans 2 jours là. Les costauds de gambas là. Tu vois, même la reine Héritia. Le jour où je t'avais rencontré, quand tu m'as montré ta fille, la grande fille, je dis non. Et je suis arrivé à un moment où je ne mange même plus trop. Voilà. L'autre jour, j'ai dormi dans un autre de mes appartements. Et je n'avais pas fait de marché. C'est le lendemain que j'ai acheté à manger. J'ai cuisiné. Voilà. Donc, je suis arrivé là-bas. J'avais la flemme de sortir. C'était le dimanche. Et au Gabon, ils ferment tout tôt. Ils ferment les choses tôt. Donc, je suis allé dans un endroit qui n'est pas très loin de la maison. La nourriture était bonne. Mais l'énergie de l'endroit n'était pas bien. Vous allez voir que quand les mauvaises personnes préparent, même si c'est bon, quand tu manges, ton corps réagit bizarrement après. Par contre, peut-être quand toi tu prépares ou tu as un endroit connecté, quand tu achètes la nourriture là-bas, quand tu manges, tu sens comment ton corps s'aligne.
Je vous assure, j'ai mangé, c'était bon, mais quand il finit ça, mon corps chauffait. Je dis, mais non, non, je ne mange plus là-bas. Régis, tu es beau. Tu as un bon pain. Tu fais quoi en ligne à 2 heures? Le tassement lui a dit que tu as honte de ta copine alors que c'est ton fils. Oh, Seigneur. Paix à son âme. Maman, c'est comme si à 2 heures que les hommes se réveillent. Les hommes qui sont dans mon direct, là, vous sortez d'où? Moulanga, West Midlands. Are you in Birmingham? West Midlands. Mangez ce qui vous connecte. Buvez ce qui vous connecte. Et le cube, enlevez le cube de votre nourriture, s'il vous plaît. Le cube, évitez la mayonnaise au max. Ouais, Seigneur. When am I coming to the USA? Comment vous savez que les gars sont allés manger le chocolat? Maintenant, ils viennent. Hey. J'aime beaucoup les jus. J'aime faire le jus moi-même. J'aime extraire le jus moi-même. Ça a plus de goût. Le jus de carotte, j'en raffole. Huguette, j'ai fini. Je suis en train de fermer. J'ai déjà fini. Je parlais d'être exigeant, de ne pas baisser vos standards. J'en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit de vous hydrater. On va aller dormir. Bonne nuit, Willy. Mettez vos pieds dans l'eau, j'ai insisté. Ah, le jus de carotte avait un peu de citron. C'est vrai que j'ai jamais mis de citron dedans. Et puis on a souvent déjà de belles lèvres roses. Ah, mes lives, je les fais à tout moment. Actuellement, je suis en déplacement. Je vais d'ailleurs faire les sacrifices d'animaux là, c'est vendredi, dimanche qu'on va travailler. Bonne nuit. Ah, le jus de carotte donne un beau teint. Je comprends maintenant. J'aime beaucoup le jus de carotte. Vous gardez la terre. Est-ce que vous allez prendre? Je rentre toujours de l'ouest avec la terre. La terre et l'eau. Mais il faut souvent demander. Mais je vais vous donner un peu de ma part. Ah, ça fait l'eau fait du bien. Hey, l'eau, maman. Je pense à mettre les baignoires. Quand il y a pas une maison, s'il n'y a pas la baignoire dedans.